Fabien Sarrega, nous nous trouvons en compagnie de Franck Sauzé. Salut Hervé, bonjour à tous. Ouais, le stade est plein, ça fait plaisir et c'est parti à l'instant. Miller. Ouais, il est bien placé. Ça n'ira pas plus loin. Robben. Thomas Müller. Peggy Louyendoula. Ah, le ballon qui lui colle au pied, c'est parfait. Bon jaillissement sur cette passe. On trouve son parcours. La Ribéry a tenté quelque chose de très difficile. Et le gardien s'interpose hein, sur cette tentative de loin. Elle est bien partie cette frappe. Ah, il n'a pas bien pris le ballon. Non, non, c'est une frappe de lycée. Pierce. Müller. Allez, Bavarois, l'attaque. Un adversaire qui me fait mentir à l'instant, un grand classique. Müller. Peut-être un petit peu loin pour inquiéter le gardien. Ballon intercepté par Robben. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. Oh, quelle occasion! Mais c'était dangereux. Mais ce ballon est contré. Il peut glisser. Il passe au millimètre. Oh, il n'y a plus que le gardien. Oh, le tir. Il s'est récupéré par le gardien. Tant bien à suivre. Qui passe au-dessus. Alors, on dirait qu'il apprend avec le sommet du crâne. Ah, et son partenaire lui avait pourtant mis un bon ballon, mais il sait un petit peu mélanger les crayons sur cette action. Thomas Müller. Et Robben qui vient tacler. S'il lève la tête, il verra qu'il a du soutien. Et deux joueurs à la lutte. Voilà, finalement, c'est intercepté. Un bon jeu de passe. Oh, le contre. Oh, ça va rentrer. Et voilà, premier but en début de première période. Rien de tel pour décompter une rencontre. Le but de Franck Ribéry au ralenti. Et on a l'impression que c'est à vitesse de rendez-vous du compteur. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Sam. Ça s'approche. Tout son coéquipier. Bon, c'est bien parti. L'équipe qui se retrouve à l'égalité. On revoit le superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. Et tout par-delà, en effet. C'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Ah, but partout, tout est à refaire.
Schweinsteiger. Toni Kroos. Ah oui, bien vu la passe. Non, non, c'est fini là. Alexander. Et le ballon qui revient dans les pieds du Bayern. Schweinsteiger. Interception. Oh, il avait senti venir le coup. Müller. Thomas Müller. C'est une belle occasion, cela. Ballon pour Franck Ribéry. Une bonne anticipation sur cette passe. Il se livre sur ce tacle glissé. Bonne interception. Et elle va protéger son ballon. Attention au contre. Ah, ils n'ont pas très bien joué le coup, les attaquants, sur ce contre. Thierry Henry. Philippe Lahm. Toni Kroos. Et ouais, le ballon qui circule bien. Il avait bien senti le coup. Quatrième arbitre qui indique qu'il y aura une minute de temps additionnel. Il va pouvoir lancer le contre. Ah oui, bien joué. Ah, la défense qui respire, parce que ce contre aurait pu être dangereux. Et le gardien qui va tenter d'arrêter, il n'y a plus que lui. Thierry Henry. Et c'est le gardien, quel dernier mot finalement. L'attaquant n'a pas fait le bon. Fin des 45 premières minutes donc, et le score est de 1 partout. L'habitant qui intervient donc sur ce score de parité, score logique, finalement compte tenu de ce que l'on a vu. Ah ouais, c'est un peu plus logique, hein. Toutes les statistiques paraissent assez équilibrées, ça va se jouer à rien comme d'habitude. Il joue son atout avec ce remplacement. Retour à l'Allianz Arena pour le coup d'envoi de la seconde période. Alexander. Allez, ça peut aller vite sur ce contre. Stian Schweinsteiger. Et il a Franco. Le gardien savait qu'en restant sur sa ligne, il ne pouvait rien faire. Il a jailli au bon moment, il a pris de vitesse. L'attaquant s'est bien fait, vraiment. Et le ballon qui a changé de possession. À deux. Oui, bien joué le contre, ce n'est pas fini. Allez, le contre maintenant. Thierry Henry. Ballon repoussé par le gardien, ça joue. Oui, ballon bien arrêté par le gardien. On en reste sur ce score de parité. Il concède la touche sur cette tête. Oh. Aucun souci pour les défenseurs. Ouais, faute, l'arbitre a sifflé, peut-être un carton au bout. Ouais, il a posé à peine le ballon, ça joue. Bastian Schweinsteiger. Bon, belle passe et du talon. Allez, s'il lève la tête. Oh, cette fois-ci, le premier dans la vie. Attention. Ah, il était tout seul. Il a marqué le dernier geste. Et peut-être un petit manque de lucidité sur cette action. Et il pouvait prendre l'avantage, hein, sur cette action, mais c'est bien joué là, de la part du gardien. Il a mal assuré la passe. Hein. Ça file en touche. Un très bon contrôle. Être une occasion. Oh, le beau tir. Ah, décidément, il est sur tous les ballons. C'est assez impressionnant. Et le ballon qui sort en corner pour le Bayern. On va-t-il marquer la tête? Oui, il faut qu'il n'y ait pas de quoi crier au scandale.
Piazza. L'arbitre qui siffle contre le Bayern. Voilà un carton rouge qui va ajouter de l'intensité à ce match. Et c'est vrai que maintenant les choses ne sont plus tout à fait pareilles. Hervé, on ne serait pas surpris de voir des changements d'ailleurs. Et ça continue. Est-ce que c'est un bon centre? Ah, ça, ça fait du bien, sa défense. Superbe contrôle. Et c'est récupéré. Bon ballon d'attaque. Il centre à venir peut-être. Ah, il boxe ce ballon. Ah, il trouve les défenseurs avec ce centre. Ah, c'est un petit peu téléphoné là, la passe. Müller. Ah, vous pouvez compter sur lui pour se donner à fond. Le drapeau s'est levé, le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. Alexander. Il est à l'interception. Attention à la faute. Et le ballon qui lui colle au pied, ça va être un but. Le France qui commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Il frappe de loin, mais c'est pour le gardien. Ils essaient de prendre le match à leur compte. On veut empêcher le ballon de sortir. Encore 5 minutes. 5 minutes. Toujours ce score de parité. La balle pour Ribéry. Oui, une bonne circulation du ballon. Le ballon qui file en sortie de but. Thomas Müller. Müller, c'est pas l'autre qui est contré. Alexander. Bon jaillissement sur cette passe. Allez, Robin. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, attention, la frappe. Ah, le but. Le but. Celui qui va peut-être leur donner la victoire car il reste peu de temps. Le Bayern Munich qui vient de porter un coup fatal à son adversaire. Il ne reste que quelques minutes, hein, Franck. Et le Bayern vient de prendre l'avantage. Mais c'est la situation rêvée par excellence, là. En plus, moralement, ils viennent de mettre un coup à leur adversaire. Oui, Hervé, la victoire semble maintenant se dessiner pour eux grâce à ce but marqué dans les arrêts de jeu. Un petit but d'avance donc, le score est de 2-1. Et l'arbitre qui délivre les 22 acteurs de ce match qui s'achève sur le score de 2-1. Votre sentiment, Franck, un beau final, hein. Oui, et bien une fois de plus, ça s'est joué sur un coup d'accélérateur en toute fin de match. Vous savez, hein, quand une équipe est capable comme ça de faire la différence dans les dernières minutes, c'est signe d'un gros mental et d'une grosse confiance en soi. Merci d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Merci à vous, Franck, et à très bientôt, j'espère.